Bonjour les enfants! Regardez sur quoi nous allons faire la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne Toony Toys. Regardez, nous avons plein de monsieur et de madame patate. Alors Toony, tu es content? On va pouvoir les déguiser et faire plein de choses avec. Mais avant Toony, dans quel dessin animé avons-nous un monsieur patate? Tu le sais? Allez, réfléchis bien. Alors, tu as trouvé? Non, tu n'as pas trouvé? Oh là là, Toony, tu exagères, hein? Et vous, les enfants, vous savez dans quel dessin animé il y a un monsieur patate? Allez, dites-le dans les commentaires. Je veux voir toutes vos réponses, hein, et je veux voir que des réponses justes, attention, hein. Bon, et ben nous, pensant là, on va jouer avec les monsieur et les madame patate. Nous allons les déguiser. Allez, c'est parti! C'est parti! Bonjour les enfants! Vous êtes ici dans la fabrique des monsieur patates. Ici, nous pouvons faire plein de monsieur patates avec tous les accessoires qui sont là. J'aimerais que vous m'aidiez à faire plein de vos nouveaux monsieur patates et de madame patate parce que je me sens tout seul. Tu es d'accord, Toony? Oui? Ah, merci de venir m'aider. Bon, alors, on attaque? Je propose d'attaquer avec une bonne petite patate que voilà. Regarde, elle est belle, hein? C'est moi qui l'ai faite. Allez, alors, on va commencer par lui mettre quoi, Toony? Et si on lui mettait d'abord les yeux? Regarde, tous les yeux sont là. J'en ai plein, mais j'en ai plein. Alors, on lui met quoi? On fait une fille, un garçon? Oh, moi j'aime bien celui-là. Qu'est-ce que tu en penses, Toony? Un maquillage vert et un petit nez rose. Ça m'a l'air très bien. Alors, là. Oh, merci les enfants. Je vois maintenant. Ah ah. Eh bien, maintenant, je vais te donner une bouche pour que tu puisses encore mieux parler. Regardez les enfants. Toutes les bouches sont ici. On en a une rouge, une violette qui fait peur, une grosse verte, des « je tire la langue » et encore une « je tire la langue ». Oh, moi je veux la grosse verte. La grosse verte. Eh ben c'est parti. Et voilà. Et là, là, ça lui fait un sourire d'enfer. Je sais pas ce que vous en pensez les enfants. Oh, moi, je vais pouvoir parler beaucoup avec ma grosse bouche maintenant. Bon, par contre, si tu veux pas attraper de coups de soleil en pleine chaleur, il te faut un chapeau. Regarde, les chapeaux, ils sont là. Oh, moi, je veux le chapeau de Mickey. C'est le chapeau de Mickey, ça? Oh, oui, Toony, tu en penses quoi? Ah, Toony, il a l'air d'accord avec toi. Oh là là, eh ben dis donc, là. On voit presque plus le corps de Monsieur Patate. Hihi. Bon, qu'est-ce qui lui manque, Toony? Tu le sais? Moi, je le sais, regarde. Il vient pas debout. C'est parce qu'il lui manque les pieds. Allez, en pied, on va prendre... Ouh, les baskets vertes. Comme ça, je vais pouvoir courir très vite. Vas-y, Toony, tu vas dans tous les sens avec des baskets vertes. Tu danses. Eh oui, moi aussi, je peux danser. Et voilà, je crois que notre premier Monsieur Patate est terminé. Pas tout à fait en fait. Ah bon? Pourquoi? J'ai pas de bras. Pas de bras. Ah, bah pas de bras, pas de chocolat. Hein. Oh non, moi je vais pouvoir manger du chocolat. Mais c'était une blague. Tiens, regarde, on te met même des bras. Un bras ici et un bras là. Et voilà, le premier Monsieur Patate est terminé. Tu en penses quoi, Toony? Il est beau? Il est magnifique? Eh bien, tant mieux. Allez, on va le mettre là. Bon, bah maintenant, les enfants, il faut que vous m'aidiez à faire les autres Monsieur Patate. Oh, regardez qui arrive. Encore un corps de Monsieur Patate. Bon, eh bien, dans ces cas-là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on lui met à ce Monsieur Patate? Et si on commençait cette fois-ci par lui mettre la bouche? Comme ça, il pourra directement parler.
Une jolie bouche toute rouge. Bon, regardez, il me tire la langue. Ah, c'est pas bien de tirer la langue. Bon, bah, ok, j'ai compris. Allez, on va lui mettre des yeux. Ces yeux-là, ça vous plaît? Ça va avec sa langue. Avec le nez tout rouge. Ouais, il a l'air beau, ce monsieur patate. Moi, je veux des bras, moi, je veux des bras. Ah, il veut des bras aussi. On va lui mettre... Oh, regardez cet immense bras. Il est grand, ce bras, hein? Eh bien, allons-y. Waouh, un gros pouce. Il a l'air content comme ça, hein? Et de l'autre côté. Il a un petit bras et un gros bras. Ouais, super! Bon, qu'est-ce qu'on lui met dans les cheveux? Alors, les chapeaux sont ici, tout nis. Est-ce que tu m'aides un peu à choisir? On a un casque, un chapeau jaune, le nœud de Mimi, un joli chapeau rouge et le chapeau de princesse. Alors, tu veux quoi, Tounou? Ah, tiens, c'est Mélie qui me répond. J'ai l'impression, Mélie, que tu veux le nœud de Mimi, c'est ça? Eh bien, c'est parti. On lui met le nœud de Mimi. Oh là là! Quelle élégance, monsieur Patate, ou madame Patate, du coup. Eh bien, il lui manque plus que les pieds. On va te mettre les pieds. Des jolis pieds bleus. Qu'est-ce que tu en dis? Ça fait un peu sandalette. Waouh, comme ça, je suis au top. C'est moi le meilleur, monsieur Patate. Non, c'est moi le meilleur. Non, c'est moi. Moi, je trouve que vous êtes tous beaux. Vous êtes tous des monsieur Patate magnifiques. Bon. Et si, maintenant, on accueillait notre autre monsieur Patate? Monsieur Patate. C'est quoi ce bruit? Mais il est immense comme Monsieur Patate. C'est une grosse patate comme ça, c'est possible, ça existe. Hé, c'est la plus grosse patate qu'on ait jamais eue. Eh bien oui, je vois ça, hein. Elle est immense. Alors celui-là, là, il va pas falloir le louper, hein. Bon. Et si on commençait par lui mettre des yeux? Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme yeux? Oh, qu'est-ce que tu en dis, Tounou? Ces yeux-là, ils sont magnifiques. Alors, on lui met les yeux. Ah, déjà, moi, je l'aime bien, ce monsieur Patate. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui met? Si on lui mettait le joli chapeau de Mimi de princesse. Eh oui, Tounou, comme une princesse. Alors là, il est beau, hein. Tu peux faire mettre une couronne sur la tête, Tounou? C'est vrai que regardez, on aurait pu aussi lui mettre une couronne. On va voir. Ah, finalement, ça va avec la couleur de ses yeux-là. Ah, on va lui laisser celui-là. Tu as raison, Tounou, c'était une très très bonne idée. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on lui met? Il lui manque quoi? Bah, il lui manque un nez, bien sûr. Et si on lui mettait ce nez-là, avec une moustache? Bon, maintenant, du coup, on dirait plutôt un garçon, hein. Au début, on avait le chapeau de Mimi, on aurait dit une princesse, mais là, on dirait plutôt un roi, avec la grosse moustache. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire tirer la langue? Je suis pas sûre. Hop. Oh, ça passe. Oh, moi, je suis le roi. Mais je n'ai pas de bras. Comment je vais faire pour empêcher les envahisseurs d'attaquer mon royaume? Ah, Tounou, il va falloir faire quelque chose. Tu vois ce que je vois? Tout. Eh oui, on va lui mettre un sabre laser. Comme ça, il va pouvoir se défendre contre les envahisseurs. Ha ha! Ah oui, là, c'est un Dark Vador en puissance, notre roi, hein. Il va pouvoir bien se battre. Et hop, de l'autre main, on va lui faire un bras tout blanc.
Alors là, je crois qu'il est prêt pour la bagarre, ce roi. Il est prêt pour défendre son royaume. Il est bien, hein. Je crois qu'il lui manque plus que des grosses chaussures. Et voilà, regardez cet immense monsieur patate. Oula, il fait peur celui-là, hein. Oh oui, mais non, vous inquiétez pas, je suis très gentil. J'ai pris un sabre laser pour vous défendre. Vous allez être à l'abri avec moi. Super, allez, on te met là, monsieur patate. Eh, mais attendez, on me voit plus, moi. Eh bien, on va te mettre à côté, alors. Eh bien, est-ce que nous en avons fini? Oh, non, regardez. Il y a un autre monsieur patate qui arrive. Alors, bon, il reste plus beaucoup de choix, hein. Tu auras ces yeux-là. Ouais, c'est pas grave, ça me plaît, c'est les plus beaux. Et qu'est-ce que vous dites de lui mettre cette jolie bouche rouge? On dirait qu'il s'est mis plein de rouge à lèvres. Ah là, il est beau, hein. Et moi, je pense que pour aller avec la bouche rouge, rien de tel qu'un joli chapeau qui va avec. Regardez cette Madame Patate. Elle est magnifique. Bon alors, maintenant on te met les bras. Waouh ! J'ai des super bras ! Et des chaussures avec des étoiles dessus. On dirait presque des chaussures de shérif. Ah oui, regardez, c'est bien des chaussures de shérif. Eh bien, une Madame Patate shérif. Pour continuer à faire la loi. Ah ah, une Madame Patate shérif, c'est la classe. Oh, et regardez. Si on lui mettait des jolies lunettes rouges de Mickey. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oh, elles tiennent pas beaucoup ces lunettes, hein. Pas grave, elles sont trop belles. On va lui mettre sur la tête. Voilà, on lui met des lunettes rouges sur la tête. Et voilà. Regardez-moi sous tous ces monsieur et madame patate. C'est bien, hein. Je sais pas trop, hein. Moi, il me manque quelque chose, hein. Ah bon, il te manque quoi, monsieur patate? Eh bien, hier, on s'est fait attaquer par des gens qui volaient. Alors, il me faudrait des ailes. Des ailes? Regarde, j'ai ce qu'il te faut. Regardez les enfants, nous avons des jolies ailes. On va lui mettre sur les bras. Et voilà. Avec ces ailes, monsieur patate, tu pourras voler. Oh, maintenant, je peux voler. Il est un peu lourd pour voler, mais je pense qu'il devrait quand même y arriver avec un peu d'entraînement. Alors, les monsieur et madame patate, est-ce que vous êtes contents de tous vos déguisements? Oh oui, on est tous très contents. Moi finalement, j'aimerais bien changer de chapeau. Ah ben vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux mettre comme chapeau? Je veux mettre le casque bleu. Ah, c'est vrai que là, tu es pas mal du tout. Et je voudrais aussi changer de bouche. Voyez donc, tu veux tout changer. Alors, qu'est-ce qu'on te met comme bouche? Je voudrais une bouche de méchant pour faire peur. Eh bien, regarde, j'ai ce qu'il te faut. Une bouche qui fait peur. Ah ah! Alors maintenant, les monsieur et madame patate, est-ce que vous êtes tous contents de vos déguisements? Non, pas moi. Il me manque encore quelque chose. Encore toi? Qu'est-ce qu'il te manque? Eh ben, voilà, je dois aller à un mariage en pas longtemps et j'ai pas de costard cravate. Eh ben, regarde, j'ai encore ce qu'il te faut. Ah, super! Une super cravate. Alors, comment ça se met? Et voilà. Oh, alors là, c'est top. Je suis parée pour combattre les envahisseurs et aller à mon mariage. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. Là, vous êtes tous magnifiques. Alors, Toonie, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes les monsieur patates? Tu les trouves beaux? Eh oui, hein, c'est les plus beaux, hein. Bon, est-ce que Toonie, tu as aimé cette vidéo? Oui? Eh bien, dans ces cas-là, tu le sais, n'hésite pas. Plein de pouces. Et des commentaires. Le nom du dessin animé et on voit des monsieur et des madame patates. Il faut me le dire.
Et pour finir, qu'est-ce qu'on fait? On fait... Allez, bisous, abonnez-vous, ciao, ciao.